Viens ici. Comme le Seigneur. Tu es de... D'où? Très bien. Je vais manger du doré. Les Camerounais, je les aime beaucoup. Ils sont trop près pour moi, les Camerounais. Mais vous n'habitez pas chez vous et c'est ça le problème. Ça va pas danser. Vous êtes difficile. T'as dit quoi? Vous êtes difficile, prophète. Ça va pas danser. Non, le français n'est pas propice là. Quand tu dis difficile invité, je ne pense pas que ça soit ce français là. Non. Difficile, c'est pas le français. Peut-être c'est le problème de moyens. Quand tu dis problème de moyens. Non, pas les moyens. Mais difficile comment? Difficile à voir parce qu'on voit que vous êtes très occupé. Non, c'est toi qui penses que je suis occupé. Tu l'as une fois fait? Puis j'ai dit non. Voilà. Non, la question est posée. Tu m'as même dit, viens au Cameroun, et puis je t'ai dit non. Prophète, j'ai essayé de vous inviter, ne serait-ce qu'à Genève, je viens de Genève. Non, j'ai dit Cameroun, on ne parle pas de Genève. Cameroun, c'est difficile. Non, c'est toi qui dis. Faut pas prendre des imaginations. Je vous invite la semaine, l'année prochaine. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout, on a quand même essayé au moins. On n'a même pas fait essayer, et tu penses que c'est. Ce qui fait vivre le chrétien, c'est sa foi. Amen. La foi fait déplacer les montagnes. Amen. Ton Dieu est le plus puissant, c'est lui que je sais. Moi, je suis qui? Je suis qui? Aller au Cameroun, c'est servir Dieu. Amen. Donc, si tu pries, et puis il y a les moyens qu'il faut mettre à notre disposition. Parce que le prophète ne peut pas marcher de Divo au Cameroun. À pied. Et si tu pries, le Seigneur te donnera les moyens. Amen. Voilà. De rentrer au Cameroun parce que j'ai le secret. Chaque homme de Dieu a le secret. J'ai le secret pour délier l'atmosphère. J'ai le secret. Amen. Pourquoi les gens vous invitez? Moi, je suis pas général, je suis maréchal. Maréchal, c'est au-dessus du général. Amen. Vous savez ça, moi? Vous savez ça, moi? Maréchal est plus gravé que le général. Vous invitez général, le maréchal, vous le laissez. Bon, lui, c'est 30 étoiles, je préfère 30 secondes. Le mot de tous les hôtels, sinon mes épaules vont s'exposer. Amen. J'attends cette invitation parce que j'ai une forte présence de la sorcellerie sur le sol camerounais. J'attends cette forte, j'attends cette invitation. Amen. 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 Il me suffit seulement de parler au sol camerounais, vos tous vos démons, vos esprits me seront soumis. C'est le secret, c'est tout. J'attends. Hein? Et après, si on va en parler, on parlera. On va essayer de discuter si c'est un jour d'arrêter quelque chose de truc. Et puis maintenant, on va commencer à coordonner ça. Amen. Faut pas fumer, parce que moi, je ne fume pas. Amen. Hein? Moi, je ne fume pas. Voilà. Je suis quelqu'un, je ne recule pas. Je suis quelqu'un, je ne joue pas avec. Je ne recule pas avec ça. Ok, ça va? Ça va déjà. Ça veut dire, qu'est-ce que tu avais? J'avais souvent. Allez, allez, Nicolas. Alors, je souffrais des problèmes de couche de nuit depuis l'année 2011. Bien expliquer. Pour nous, il s'avoue. Donc, quand je venais d'accoucher. Ça dit quoi? Oui, pas tout le monde. Je suis qui en Facebook live. Ceux qui ont le Zaroko, la tête, ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Ils ne connaissent pas. Des couches de nuit. Peut-être qu'ils sont en train de dire. Couche de couche de bébé, là, pour ça. Ou bien, c'est telle couche. Je me disais souvent que je faisais souvent l'amour avec des femmes. Tu as des rapports. Oui, des rapports. Vous avez compris? Voilà, c'est pas les couches qu'on porte pour aller dormir la nuit. La première fois, c'était d'abord avec une femme, elle portait, elle avait deux sexes. Après, quand on est arrivé ici à Méro, en 2011,
les couches de nuit ont recommencé, ça persiste. Au fur et à mesure que je fuis, au fur et à mesure ça commence, ça devient fort. Au fur et à mesure que je priais, oui, mais je ne priais pas vraiment avant comme je prie maintenant. Les couches de nuit venaient. Alors une fois j'avais lâché la prière, le jour que j'avais rêvé que je faisais l'amour avec un bouc. Ça arrive jusqu'à la boucle. Oui, c'est ça. Là, je me sentais plus bien. J'avais parlé avec ma maman. Quand tu la regardes, c'est un témoignage. J'ai surpris. Son fils a dévoilé les larmes, il est surpris. Elle est délivrée. J'avais parlé avec ma maman. Elle avait dit ok, quand elle va au Cameroun, elle va aller voir mon papa, parce que mon père est musulman. J'avais expliqué à mon papa, après mon père m'avait dit tu peux lire une sourate d'Abati Adam. J'avais négligé. Tu es d'où, du Cameroun? Du centre. Et quelle est votre dialecte là-bas? Betty. Ah, vous êtes Betty? Oui. Mais les Betty, vous êtes des langues, c'est ça? Oui. Je suis en train d'étudier un peu tous les Camerounais. Pas les Betty, j'étudie, parce que quand tu vas dans une zone, il faut essayer d'étudier le pays avant d'entrer. Oui. C'est pour ça que Josué, d'abord, qu'on appelle Moïse, envoyait les gens explorer, n'est-ce pas, Jéricho, pour maîtriser. Et avant de partir, le juge est arrivé au Cameroun. Allons-y. Alors, c'est arrivé ainsi, ma mère est rentrée du Cameroun. Vous aimez bien les bâtons de manioc. Hein? Là, je n'arrive pas à manger. C'est vous me donner là, c'est trop. Du Saint-Doré, ça. Vas-y. Ma mère est rentrée du Cameroun. Elle m'avait rapporté des médicaments qu'elle m'a rapportés avant de passer. Ça n'avait rien donné. Et la vie de faire quoi? Je dois me couvrir. C'était une poudre que je devais brûler. Je devais me couvrir. Après, on est tous passés par là. C'est quand j'avais connu mon copain, il était venu à la maison. Je lui expliquais que j'avais toujours des problèmes de couche de nuit, ma vie n'allait pas. J'avais aussi au niveau de la tête n'allait pas. C'était comme si deux fois je perdais l'équilibre, la tête me tournait. Donc je partais à chaque fois à l'hôpital. On m'avait même fait un scanner, je croyais que j'avais problème au niveau de la tête. Après, quand je l'avais connu, ta maladie a pris fin, tu n'étais plus gros malade. C'est là qu'il avait essayé d'observer un peu la situation de la maison. Quand il était venu, ma petite soeur, avant, lui et ma petite soeur, ils étaient amis. Après, ma petite soeur a commencé à être réticente envers lui. Quand il vient à la maison, elle ferme la porte, elle se fâche. Un beau jour, Il m'a dit, il y a certaines choses que j'ai honte de dire ici. Faut pas dire. Et ça, où tu l'as vu? Faut pas tout dire. Il m'a dit, Annie, j'aimerais te parler. J'ai dit, ah, va voir ma mère. Moi, je savais déjà ce qu'il voulait me parler. Parce que quand je voulais toujours parler un truc, moi, me traitait de menteuse. Je disais pas la vérité. J'ai dit, ah, va voir ma mère, peut-être, elle va t'écouter cette fois-ci. Il a fini d'expliquer à ma mère que c'est ma petite soeur qui dérangeait. C'est là que ma petite soeur avait avoué que oui, c'est elle qui couchait souvent, qui venait toujours coucher avec moi. Et là, on avait organisé un voyage qu'on devait aller au Cameroun, on allait voir un apôtre. En arrivant là-bas, on a fait des jeûnes. Le monsieur, on a eu 3 semaines de vacances, c'était en 2015. Arrivé là-bas, on a fait des jeûnes, nous sommes rentrés. Elle a repris la sorcellerie. Ah, qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce qu'on doit alors faire? 2 semaines après, les couches de nuit sont revenues. Je dis, ah, qu'est-ce que je peux encore faire maintenant? Nous sommes allés voir l'homme de Dieu, rien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire là? Mon copain me dit non. Là, ça n'a pas marché. Le monsieur m'a versé de l'huile dans les yeux. Il faisait tout, rien. Alors, un jour, quand il aime toujours regarder les vidéos, c'est là qu'il est tombé. Oui, il est tombé sur
vos vidéos, je dis, ah, Annie, toi qui aimes les prières, tu as regardé un homme de Dieu. Et c'est là, en regardant la vidéo, on avait vu que vous devez venir en tournée européenne, c'était cette année, au mois de mars. Il m'avait dit, là, on va acheter les billets, on va aller voir le monsieur. Oui, à Lyon. J'ai commencé à regarder les vidéos, comment se délivraient les gens qui faisaient des aveux, de la sorcellerie, comment la sorcellerie ça se passait. J'ai dit, ah. Mais la pauvre, c'est lui, n'avait pas fait comme le prophète fait. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que j'ai dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, mon copain me dit, là, tu commences déjà à réfléchir. J'ai dit, ok. Avant même ça, j'ai quitté la maison, j'avais des sérieux problèmes avec ma maman, juste à cause du repas, parce qu'elle était restée à la maison toute la journée. Moi, j'étais allée écrire des lettres, elle voulait que je fasse à manger, parce que j'avais dit, je suis fatiguée, ça a pris des proportions énormes jusqu'à la bagarre. Oui, mais hier, ce matin, c'est la veille, là, quand on a prié, qu'est-ce que tu as senti? Alors, à la veille, quand je me suis réveillée, je me suis levée, mon ventre était tellement souple et mon corps aussi, ce n'était plus comparé comme des autres fois. Tu peux expliquer? Alors, moi, j'avais toujours des problèmes au niveau du bas-ventre, le ventre tourbillon, quelque chose piquait. Oui, les choses piquaient. Et là, hier, quand je me suis levée, c'est comme si je n'avais plus, il n'y avait plus rien dans mon ventre. Et j'étais devenue aussi léger. Oui. C'est comme si un fardeau était tombé sur moi. Constater que souvent tu n'es plus là dans le lit, c'est ça. Quand tu dors, tu as l'impression que tu voyages. Lui, il constatait ça. Oui, il m'avait dit. Et il voyait ça. Lui, deux fois, il m'avait dit, Annie, chaque fois, la première fois, il me voit comment je sors de mon corps pour aller. Il me dit, ah, non, c'est pas moi. Deuxième fois, il m'avait dit, mais pourquoi tu sors la nuit de la maison? Des fois, j'ai des problèmes avec des gens de route qui viennent des fois m'attaquer physiquement. Il faut dire, Dieu t'a délivré de quelque chose de costaud. Non seulement ça, ils t'ont lié avec l'esprit des autres. Hein? Mais il y a aussi l'esprit de la sorcellerie qui s'est manifesté aussi dans ta vie. Parce qu'il y a une fois, une nuit, j'avais rêvé que je voulais me transformer en serpent. Après, je l'ai réveillé. C'était stérile ce que je voyais. Parce qu'il y a des choses souvent qu'on n'explique pas aux gens. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas la même dimension de foi. Vous comprenez? Et la force qu'on a souvent par la grâce de Dieu, on a cette capacité de voir les esprits, comment les esprits se manifestent. Et la manifestation des esprits, je voyais sous forme des lutins, des esprits auxquels ils t'ont vendu, n'est-ce pas? Et donc ta vie était dans l'eau. Tu vivais dans l'eau, mais en même temps, j'avais des choses bizarres en toi qui faisaient que c'était difficile plutôt, parce que tu es déjà délivré, et que quelqu'un vive une bonne vie avec toi, parce que ça va créer des atmosphères de malchance, si tu veux, et puis des esprits de bagarre. Des esprits de mésentente. Exactement ça, j'avais ça beaucoup avec mon copain. Avec lui. Oui, il m'arrivait des fois, je cassais les choses à la maison. Des fois, il était au bout. Et pendant qu'on priait, c'est la sirène, tu vois. C'est ce qu'on est la sirène. Chaque tout le monde sait. La sirène, c'est elle qui sortait de ton corps. Et tu l'as même fait quand tu faisais la délivrance. Tu traînais comme ça. Voilà. Mais en même temps, j'ai eu une initiation qui s'est faite. N'est-ce pas? Et donc, ton âme était allée en profondeur. Il y avait beaucoup de choses. Voilà. Donc, peut-être qu'on commence à se voir un peu en privé. Il y a des choses que je voulais te dire.
Peut-être que tu sais, mais on en parlera. Mais plus, parce que c'est ta vie, je n'ai pas envie d'étaler tout. Ta vie devant tout le monde, il y a des choses qui doivent peut-être rester secrètes. Ça va? C'est pour cela que je veux que tu rendes le témoignage. Parce que je suis convaincu que tu as été délivré. Je suis convaincu que toi, tu as senti cette délivrance. N'est-ce pas? Oui, j'ai bien dormi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui? Délivrance n'a pas fait 20 minutes. Hein? Amen. On a tous suivi la délivrance, non? Amen. Elle ne s'est pas fait 20 minutes. Amen. Non, du passé démon. Quand tu as l'onction, le démon, tu ne peux pas rester longtemps. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui dit qu'il a été choisi par Dieu, n'est-ce pas? Qu'un démon arrive à le résister. Ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. On n'a pas dit qu'on résistait aux démons, il dit ils chasseront les démons. Donc un démon, quand tu affrontes un homme de Dieu et en face d'un cas, il doit immédiatement chasser le démon. Le démon, il doit le chasser. On n'a pas besoin de rester longtemps avec un démon. Pourquoi rester longtemps avec un esprit qui va, pendant qu'on parle, lui, il a le kilo de bavarder. Non. Et les gens étaient vraiment étonnés de voir Jésus-Christ. Du fait que Jésus-Christ, les démons obéissaient à Jésus. Rapidement. Or, cette onction, chaque enfant de Dieu a ça. Il dit, oui. Alors, vous pensez que c'est le prophète qui doit chasser un démon? Hein? Si vous constatez que, du coup, votre femme a changé le caractère, parce que les démons, on peut le prendre. Ok, ma fille, je te bénisse. Voilà, tu l'as délivré. J'allais congé ce monsieur Claire avec une bonne patte. Elle est délivrée. Il dit là. Alléluia. Quand tu as Jésus, on ne peut pas te manger. Amen. Amen. Celui qui a affaire à toi, il rencontrera Jésus sur son chemin. Amen. Voilà, quand vous constatez que, du coup, la vie de votre épouse change, la vie de votre conjoint change, il n'est pas comme celui qu'il avait connu avant, c'est qu'il a eu une influence des démons. Amen. C'est tout. Du coup, il te déteste, du coup, il n'a plus envie de te voir, du coup, il y a des choses, il a ton fils, du coup, tes enfants deviennent bizarres, ça veut dire qu'il y a une influence des esprits dans leur vie. Ok? D'autres, ils ont pour peut-être remède pleurer. Or, pleure, ce n'est pas la solution. Voilà, on a déjà l'autorité sur les esprits. C'est tout. On a déjà l'autorité sur les esprits. Or, avec Jésus-Christ, on a ce pouvoir de maîtriser les esprits. Il n'y a pas un démon qui peut résister à ce précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. C'était vraiment important pour moi que tu rendes ce merveilleux témoignage. Amen. Amen.